J'espère que vous allez bien. On est donc mercredi matin, il est 7h. Je me suis réveillée depuis 6h30. Je vais rentabiliser ce temps et commencer par un café compta. Est-ce que vous connaissez un café compta? Je vais boire mon café en faisant ma compta. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Bon bah, la compta avance bien. Mais j'ai ma machine à laver le linge qui déconne parce que j'ai enchaîné une machine. Faut que j'ai un max de fringues propres pour partir en Normandie quand même pour les filles surtout. Et là, autant vous dire que je suis en train de faire une vidange. Petite vidange de bon matin. Voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux, je suis ravie. Entre le café compta et la vidange café, autant vous dire que cette journée commence extrêmement bien. Voilà. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire pour relever le niveau de cette journée, parce que là, ça commence très fort. Alors, la compta est faite, la douche est prise, j'ai encore les cheveux mouillés d'ailleurs, mais Tara tourne trop en rond là. C'était le moment d'aller la promener avant une catastrophe. Hop. J'essaie de remettre bien mon manteau là jusqu'en haut, sinon je vais attraper froid, sortir les cheveux mouillés, c'est pas une bonne idée. Mais là, la chaîne elle tournait trop. Viens là. Du coup, c'est parti, Loïs et Rachel sont bien évidemment réveillés, j'ai fini la compta avec Rachel et Loïs. La machine est repartie une fois que j'ai fini cette vidange, en fait c'est le filtre. Vous savez, le filtre qui récupère toutes les poussières qui étaient bouchées, donc du coup ça c'est fait. Je suis en train de monter le vlog et je me rends compte qu'il y a pas mal de trous. C'est un peu la catastrophe puisque hier, enfin donc pendant sur cette journée-là, voilà, sur cette journée-là, j'avais des rendez-vous. Il fallait que j'aille à droite, à gauche chercher Eliora au bureau de ma mère, que je m'occupe d'aller commander le dessert pour le 24. Enfin voilà. Et plein de trucs à faire. Du coup, j'ai pas eu le temps de vlogger énormément, mais je vous explique. Entre le moment où je suis dans l'ascenseur et la prochaine scène où je suis encore dans l'ascenseur, décidément, c'est un vlog ascenseur, il s'est passé le fait que je sois allée récupérer Eliora au bureau de ma maman. Avec Eliora, on a été réservé. Enfin, je suis d'abord passée au Merveilleux pour savoir si on pouvait réserver des bûches pour le 30, pour le 25. Et non, en fait, il faut y aller faire la queue le 25 au matin. Ça va être charmant. Et par contre, je suis allée chez Poplini pour réserver des petits choux. Ils sont délicieux. Moi qui n'aime pas la crème pâtissière, vraiment, j'en raffole. Et ils en ont des spéciaux de Noël en forme de petits, comment ça s'appelle, des petits bonhommes de neige. Du coup, j'en ai pris des comme ça et j'en ai pris avec des parfums. On a pris une vingtaine de petits choux. C'est parfait. Ça ira très bien avec les clémentines et les litchis. Et ensuite, avec Eliora, on est rentré. Et là, j'ai commencé à préparer les affaires. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la maison, moi, j'avais des coups de fil à passer pour le boulot. Vu que j'étais sûre, enfin, vu que j'avais fait la compta le matin, il y a toujours des choses à voir. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Loïs aussi, il avait pas mal de coups de fil, donc du coup, je vais pas vlogger pendant que tout le monde est au téléphone, il n'y a pas grand intérêt. J'avais les filles dans les pattes, c'était le foin, littéralement. Et qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, j'ai préparé les valises, j'ai tout préparé. Et là, quand je suis dans l'ascenseur, je suis en train de descendre toutes les affaires pour remplir la voiture. Les filles sont dans l'appart avec Loïs et le chien. Je remplis la voiture, comme Loïs est au téléphone, je remplis la voiture pour qu'une fois qu'il est raccroché, on puisse partir direct. Résultat, j'ai oublié des trucs, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai vraiment pas eu de temps pour vloguer devant moi. Là, maintenant, il est 15h30, 16h, plus près de 16h qu'autre chose. J'ai été chez le dentiste, ça y est. En fait, ce qu'il m'a mis, c'est des inlays, ces petits bouts de dents sur mesure, machin. Et je passais par la caisse facture aussi. Ce que je ne vous dis pas dans ce passage dans l'ascenseur, je ne sais pas pourquoi, parce que ça devait être tellement clair dans mon esprit que je n'avais pas besoin de le formuler. Et ça, parfois, ça arrive dans les vlogs, c'est qu'on pense un truc et qu'on ne le formule pas à l'oral parce qu'on pense tellement fort que on est persuadé que non, mais non en fait. Du coup, je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais des fois je dis un truc à l'oral et je pense un autre truc dans ma tête pour compléter, je le dis pas forcément à l'oral, bref. Du coup, en fait, on prend la route direction la Normandie. On avait prévu de venir parce qu'aujourd'hui, donc demain, pour aussi, quand vous regardez ce vlog, Eliora, elle a un stage de poney toute la journée. Et surtout, on a une fuite dans la cave. Du coup, il faut vite rentrer pour voir le plombier. Et du coup, c'est comme ça que dans la prochaine scène, enfin, dans le prochain passage, on est en Normandie. Ça y est, on est arrivé? On arrive à la maison? C'est quoi cette tête de coquinouche, là? Tu manges du fromage, toi, t'as faim? Yeah! Et bien ça y est, nous sommes bien arrivés à la maison en Normandie. On a mis hyper longtemps, on devait aller chez Costco avant et autant vous dire que ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait énormément de monde sur la route. Du coup, on a reporté nos plans, on les a changés. Alors, ça va à la poêle.
Il a dit papa, je crois. Poêle ou four, au four. Allez. Voilà, il s'est arrêté à la petite supérette du village et il a pris des petits trucs tarés, elle est dehors. On a vu qu'on est arrivé, elle est dehors. Ah, tu viens, Moucha? C'était bien? C'était bien dehors? C'était bien dehors? Ah, oui, 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 c'était bien. Allez, je vais t'essuyer, là, t'es toute mouillée. J'étais vraiment à l'arrache parce que là, je me rends compte qu'il y a deux passages qui se suivent de Tara qui rentre du jardin. Donc, c'était une première sortie. Ensuite, elle est ressortie, mais bien après. Et il s'est mis à pleuvoir. J'étais allée la voir deux fois pour la rentrée. Il s'est mis à pleuvoir. Et quand je suis retournée, elle était trempée. Et donc, voilà pourquoi le prochain passage. Mais c'est pas la même fois. Elle n'est pas ressortie tout de suite après, quoi. Non, non. Mais lui, on en a pris deux fois. Pauvre Tara, elle a pris l'eau. Elle a pris l'eau dans le jardin, elle a pris la pluie, regardez, on dirait plus Tara. Mon bébé chien, c'est quoi cette tête? Je l'ai essuyé, mais la pauvre, elle a pas fini de sécher encore. Bon, ça a pas l'air de l'avoir traumatisée. Qu'est-ce que tu fais avec tes pinceaux? Si tu les mets par terre, on pourra plus les utiliser. Ok. Alors, Tara tatouille. T'es mouillé, mon chien? Oh, la pauvre. Je suis allée deux fois la voir dans le jardin, savoir si elle voulait rentrer. Et non, elle ne voulait pas rentrer. Donc je l'ai laissée et là je me dis bon faut quand même qu'elle rentre, elle va attraper froid. Eh ben elle était devant la porte trempée la pauvre. La pauvre, bon, ça l'a pas traumatisée. Elle appelle pas. Qu'est-ce que tu fais Tara? Elle coupe la queue. Hein? Elle coupe la queue. Est-ce que tu veux quoi, la guerre? Non. Bah non, on veut pas la guerre, on veut la paix. Évidemment, comme j'étais fatiguée, je suis montée avec Rachel après le dîner et on a regardé des trucs dans le lit, elle s'est endormie à côté de moi. Loïs et Elioura sont montés après. Du coup, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.